voix de Marty est plus rauque que ce que j'imaginais. Damon, t'as vraiment bien choisi ton jour pour te perdre en forêt. Oui, mais je commence à me réchauffer un peu. Ce qui, au cas où tu ne le saurais pas, est très mauvais signe. Il faut que tu bouges. Tu m'entends? T'as qu'à choisir une direction et te mettre à marcher. Je peux pas. Je sens même plus mes jambes. J'en suis à un point où je sais pas si je tremble parce que je suis en manque ou parce que le froid est en train de me tuer. Je comprends, mais relève-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas ainsi que tu es censé mourir, Stephen Salvatore. Seul dans une nature hostile, pris au piège du corps frigorifié d'un alcoolique meurtrier. Je sais pas, je trouve ça plutôt logique, moi. Allez. Donne-moi de la matière pour travailler. T'es en retard. Et puis t'es nul. T'es vraiment nul quand il s'agit de jouer les héros. Je crois que le problème, c'est surtout que je suis pas habitué à ce que tu te la joues demoiselle en détresse. Tu veux que je dresse la liste des raisons qui font que je suis dans cette situation par ta faute? Mais je t'en prie, Stephen. Je t'écoute, je fais rien d'important en ce moment, de toute façon. Tu m'as laissé tomber, Damon. Ah, écoute, Valérie et moi, on s'apprêtait justement à faire le sort de transfert quand les filles ont détruit la pierre. Déjà... Avant ça, tu m'as laissé tomber le jour où tu as décidé que tu préférais vivre dans un cercueil plutôt que d'admettre tes erreurs. Non, 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 je voulais m'empêcher de faire davantage de mal autour de moi. C'est pour ça que je me suis retiré. Pourquoi est-ce que c'est si dur pour toi d'être quelqu'un de bien? Et ne me parle pas d'Elena. Tu étais sur Terre depuis déjà 160 ans quand tu l'as rencontrée. J'ai été arraché aux flammes de l'enfer et balancé dans le corps d'un homme mort. Et tu sais à quoi j'ai pensé aussitôt que je suis revenu à moi? Il fallait que je sauve ces pauvres gens piégés dans le bus. Je n'avais aucune idée de qui j'étais ni de l'endroit où je me trouvais, mais j'ai suivi mon instinct. Et toi, ton instinct? Il te dicte quoi? Que dit la petite voix que tu entends dans ta tête? Tu tiens à ce que je te dise tout haut ce qu'on sait déjà tous les deux? Très bien. Je suis un égoïste. Je suis colérique. Je n'ai aucune patience. Et je le reconnais, avant que je rencontre Elena, il n'y avait personne au nom de qui j'aurais pu vouloir faire le bien. Ton propre frère ne comptait pas. Mon propre frère ne comptait pas. T'es en colère? Oui. Est-ce que tu m'en veux? Oui. Parfait. Alors lève-toi immédiatement et viens me botter les fesses toi-même. Est-ce que Marty Hammond est une véritable locumène? Parce que bientôt, je pourrai plus avancer. Et quand ça arrivera? Je pense que tu seras pas là. On est obligé d'attendre la fin du blizzard.